Nous allons passer dès maintenant à la fameuse météo de Lana. Eh oui, c'est comme ça. La météo, présentée par Lana. Alors, si je vous dis 14 février, couple ou polygame, cœur, rose rouge, vous me répondez Saint-Valentin. Voilà, le premier qui me dit « Ah, c'était la Saint-Valentin ?» Ouais, soit tu es un futur acteur, et rassure-toi, hein, tu auras le César de l'acteur le moins crédible, ou soit tu vis dans une grotte. Alors non, ce n'est pas possible. Tous les magasins, toutes les marques ont fait de la publicité sur cet événement amoureux. Limite, en tant que célibataire, hein, je sais de quoi je parle, tu te poses la question de savoir si tu peux rentrer dans le magasin. Hein. Limite, je pensais même voir un vigile à l'entrée du magasin en me disant « Eh, mademoiselle, vous êtes célibataire ?» Oui, bon bah, tu rentres pas. Non mais c'est fou ça, on te voit comme une pestiférée. Limite, le célibat, ça pourrait s'attraper. Alors le 15 février, hein, tout le monde te dit « Alors, tu as fait quoi hier ?» Bah, clair. Rien de spécial. Et là, et je vous assure, hein, et là, les gens te regardent avec de la peine au fond de leur cœur. Comme si le célibat était une dure épreuve à passer. Et dans leurs yeux, hein, tu sens cette expression « courage ». Non mais je rassure toutes les personnes en couple, les célibataires vont très bien et ne croyez pas qu'ils ne s'amusent pas, loin de là. Bref, en tout cas, je profite de cette occasion pour vous dévoiler un secret. Bah, ça fera la une de tous les journaux demain, voilà. Je l'annonce, la météo est en couple. Wow. Vous avez remarqué que du lundi au mercredi, il faisait très froid et le lendemain du 14 février, boum, la température a augmenté de 7 degrés environ. La météo a passé une nuit torride avec son partenaire et croyez-moi, elle est très amoureuse et va illuminer notre week-end. Samedi matin, l'ensemble de la région se réveillera avec le soleil, un peu plus voilé vers l'ouest, mais ce petit voile sera vite dissipé. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 4 degrés. Bah oui, depuis mercredi soir, sa température a baissé, elle ne va pas avoir chaud tout le temps quand même, hein. C'est pas une coquine. Mais ne vous inquiétez pas, son chéri va la réchauffer un peu. Samedi après-midi, c'est l'amour fou. Grand, grand soleil. Aucun nuage à l'horizon. La météo coule des jours heureux. Et les températures vont grimper. 7 degrés pour Dieppe, Saint-Laurent-en-Co, Aumale, Rugles. 8 degrés pour Ry, Yvetot, Fécamp, Eu, Lunebourg, Bernay, Brionne, Évreux. Et 9 degrés pour Rouen, Ivry-sur-Seine et Louviers. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'elle ne vit pas avec cette personne. Hein. Ils se retrouvent parfois dans la semaine, mais généralement, il repart le dimanche. Et forcément, impact sur son humeur, puisque dès dimanche matin, une perturbation arrivera vers l'ouest et s'installera sur une grosse partie des deux départements. On constatera une couverture épaisse de nuages gris, mais le thermomètre restera stable entre 6 et 7 degrés. Dimanche après-midi, qui dit nuage gris, dit pluie. Voilà, son amoureux sera parti et ce sera sa tristesse que vous allez ressentir. Bah ouais, les fleurs bleues, oui, je sais, bon. Aucune ville ne sera épargnée par cette pluie. Elle aura encore le cœur un peu chaud. On attend 5 degrés pour Saint-Laurent-en-Co, 6 degrés pour Neuchâtel-en-Bray, Yvetot, Ry, Lunebourg, Bernay, Évreux, 7 degrés pour Bolbec, Rouen, Dieppe, Louviers et 8 degrés pour Fécamp et Pont-Audemer. Alors, chers auditeurs de RC2, c'est un temps ensoleillé que je vous promets hein, pour ce week-end, tout du moins pour samedi. Alors, ne vous cachez plus derrière votre écharpe et bonnet. Plus question de gratter la voiture pour le moment. Ah, tant mieux. Profitez de ce beau temps car ça risque de ne pas durer. Bah oui, la météo est susceptible aussi de se fâcher avec son conjoint. En tout cas, la météo ne m'en voudra pas d'avoir dévoilé son secret et croyez-moi, elle en a beaucoup d'autres. Alors soyez présents la semaine prochaine et peut-être que je vous en raconterai un autre. Eh bah parfait, Lana, pour cette météo, on t'applaudit comme toutes les semaines. Pour cette magnifique météo, nous partons pour rejoindre les fameux conseils d'Aurélie dans le prochain quart d'heure. Vous êtes tranquillement installé chez vous, dans votre canapé, dans votre fauteuil, devant votre poste de radio, oui. Puisque vous avez le droit de le regarder. Oui, bah, dans la baignoire. Mais vous nous verrez pas encore, puisque les vidéos seront disponibles qu'à partir de la semaine prochaine sur la page Facebook de l'émission Le Talk Show. Même demain soir, hein, si on se débrouille bien. T'as eu du mal à démarrer, toi, j'ai l'impression. Même, bon, allez, nous partons avec Luis Fonsi et Demi Lovato et Ciamela Culpa.